Hey, bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. It's good to be back here, and we've got some special action here tonight from the Alex Labbé Season of Champions. Brigitte La Barbière 200 is going to be our venue at Richmond International Speedway for 200 laps. Donc, à soir, 13e course de la saison de la série Alex Labbé Season of Champions. Première course de la ronde des 8 dans le Chase. C'est le La Barbière 200 au Richmond International Speedway. Et d'ailleurs, pour commencer ça, on va se mettre un petit vidéo promo. Gentlemen, start your engines, brothers! Donc, on est ce soir présent pour cette 13e ronde de la série. Et d'ailleurs, on va regarder le classement. Bon, évidemment, côté du classement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que j'ai passé par la peau des fesses. Donc, ça nous a pris un tiebreaker pour déterminer qui allait passer entre moi et M. André Baudouin, puis là, dans voiture 48. Donc, tiebreaker qui était le meilleur finish dans les trois premières courses du Chase, soit Martinsville, Texas et New Hampshire. Mais la deuxième place au Texas m'a donné une place parmi les 8. Dans la deuxième ronde du Chase, on commence ce soir à Richmond. Donc, comme vous pouvez voir, M. Alex, All By Myself, Labbé, M. John Schweikart, M. Kevin Hash, Callum McNichol dans la 82, Daniel 16, Damers, Patrick Mercier et Claude Tiefern, Ferland dans la 43, vont être les 7 autres voitures à surveiller, incluant moi-même. Donc, je vais essayer de vous le signaler le plus possible pendant la course, avec qui je suis en compétition le plus possible. En parlant de course, on va se diriger vers le serveur où la pratique officielle, le pit party comme on l'appelle, se déroule. Juste m'assurer avant tout que tout est en ordre au niveau du stream. Et voilà, tout ça semble beau. Donc, on va relancer le son. Ah, beaucoup mieux comme ça, hein? On va mettre ça de côté. On va mettre ça en plein écran et on va s'assurer qu'il ne manque rien, que tout est en ordre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant les courses, vu que j'ai trois écrans, je suis pas capable de voir le chat, donc je l'ai sur mon cellulaire, mais malheureusement, c'est pas la méthode la plus efficace, sauf que c'est ce que maximum que je peux faire pour l'instant, donc on va se dégrouiller. Manquer le début de la pratique. Pas mal manqué, je pense. Non, on est correct. Richmond International, pour ceux qui connaissent pas le NASCAR, course de 7/8 de 1000, avec relativement quand même pas pire de banking. On parle d'une quinzaine de degrés, si je ne me trompe. On va retourner voir rapidement qu'est-ce que ça dit. Ouais, malheureusement, la pratique était déjà décollée, mais... on va tenter de s'y joindre le plus possible, à moins qu'il en reparte un autre. So guys, as I was mentioning, Richmond International, for those who doesn't know much about NASCAR racing, is a 7/8 of a mile racetrack. Quite a bit of banking, about 14 degrees. So it's going to be very hard, very interesting short track racing action here tonight for 200 laps. Donc on a 200 tours à faire ce soir, ça va être plein d'action, ça va être très serré. Il va falloir être très, très patient. Ça va être la clé de la performance ce soir. Conserver notre équipement, s'assurer que la voiture reste en bon état tout au long de la course. On a quand même
une bonne voiture de préparer ce soir, je suis assez confiant. Ça va nous prendre un très bon résultat. On ne retient que quatre pilotes après la course la semaine prochaine. Donc, cette semaine et la semaine prochaine sont deux courses extrêmement importantes. Il n'en reste que trois cette saison. Donc, si on peut se classer pour le Final Four à Homestead dans deux semaines, ça serait vraiment le fun. Mais on fait face à sept autres excellents pilotes. Faut pas les sous-estimer là-dessus. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en détail au fil de la course. Pour l'instant, je m'assure que tout est en ordre au niveau du setup. Vraiment rien à signaler. Les petites instabilités de la voiture, c'est vraiment sortie de virage. Donc, c'est là que je me sens un petit peu moins confiant. Donc, comme vous pouvez voir, une petite correction que j'ai à faire ici, mais vraiment, c'est là que la voiture me chicote le plus. Vraiment, là, il va falloir que je sois prudent. En général, le reste du tracé, j'ai pas de difficulté. La voiture se comporte très bien. Et tout se passe en sortie. Puis, c'est vraiment là que la vitesse, on va la gagner ou la perdre. Et je pense que c'est un endroit qui va être névralgique au niveau des incidents. Il n'y a pas grand place à passer quand ça décide de casser. Donc, faut rester alerte. Faut s'ouvrir les yeux, regarder loin devant. Surtout être proactif face aux incidents. Ça a l'air relativement plate de rouler toute seule, mais attendez qu'on soit dans le trafic un petit peu. On a une vingtaine de pilotes ici ce soir. Je peux d'ailleurs vous confirmer comment on en a. Monsieur Alex Labbé qui a le meilleur temps en pratique. Et all by myself. On est 19 pilotes ce soir. Un petit peu moins que notre habitude. Mais bon, en fin de saison comme ça, plusieurs pilotes éliminés qui ne voient plus l'intérêt de courser vu qu'il n'y a plus de championnat en jeu. Donc, on peut comprendre ça. Aussi le fait que l'été commence, donc plusieurs pilotes qui vont désister le virtuel, soit pour la vraie chose ou simplement pour profiter des belles soirées d'été. Donc, on peut comprendre ça également. Vous avez des questions par rapport au sim racing en général? Ne vous gênez pas. Le chat est là pour ça. Si vous aimez ce que vous voyez, il y a un bouton en forme de cœur en bas. Un petit follow, ça fait toujours plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il nous reste environ une dizaine de minutes à la pratique? On va stationner la voiture. Idéalement, pas dans les barils de sable. Ça serait bien le fun. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu, je peux en profiter justement vu qu'on est dans le garage. Qu'est-ce que j'observe ici? Vraiment, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce que les températures et les usures vont me dire? Évidemment, j'ai pas fait beaucoup de tours. Mais de voir ici 214 et 203, une des plus grosses choses que je remarque, c'est que la voiture est sous-vireuse. C'est ce que les pneus tendent à me dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais lui retirer un petit peu de pression en arrière pour contrebalancer ça. Commencer par une demi-livre, ça devrait être assez. Puis je vais lui redonner un petit peu de track bar en arrière pour venir aider la sortie du virage. J'ai déjà plus de ballast en avant, donc je ne peux pas y aider le centre bien plus que ça. Évidemment, il y a une question de conduite aussi là-dedans. J'ai vu que j'étais tout seul. J'y allais un peu plus fort que si je serais dans le trafic. Aussi, je remarque que les cambers à gauche sont un petit peu off. Vraiment pas grand-chose, par exemple, c'est dommage. Donc, 1.8, je vais pas toucher à ça. 7.0, je pourrais y toucher, mais je vais les laisser comme ça. Vraiment, je pense que la run que j'ai fait, malheureusement, manque un petit peu de distance pour bien évaluer ce genre de paramètres-là. Si le camber, j'ai été capable de juger ça par les usures. Donc, plus usé ici à l'intérieur que par l'extérieur. Donc, fait signe qu'on a
un problème au niveau de l'inclinaison du pneu par rapport à la verticale. Donc, il reste 5 minutes avant la qualification. Qualification de 2 tours en solo. On va prendre notre temps. On va jaser un petit peu. On a le temps de respirer. On n'est pas en urgence. Donc, qu'est-ce qu'on va jaser? On peut jaser de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, au niveau de la série Alex Labbé Season of Champions, on a cette semaine Richmond, la semaine prochaine Michigan pour la ronde des 8. Par la suite, c'est la dernière course de la saison. Ça va être à Homestead Miami Speedway. Donc, le 3 mai. Dernière de la saison, avec le Final Four, les 4 derniers pilotes qui vont se battre pour le championnat. Au niveau de cet été, on prend une relâche au niveau du virtuel, c'est classique, on fait relativement toujours ça, et on vous revient cet automne avec, encore une fois, la série Alex Labbé Season of Champions, et une nouvelle série de terre battue qui va commencer les dimanches soirs. Donc ça ne pas manquer. Maintenant, au niveau de ce qui s'en vient pour cet été, en dehors de la ligue virtuelle, ça c'est vraiment un beau projet que je suis fier de parler. On a The Banking qui commence le 2 mai. Donc, série web télé en ligne qui fait la couverture du NASCAR Pinty's au Canada et de la course sur ovale en général. On a un beau partenariat avec Autodrome Granby, Circuit Icar. Des beaux concours, des belles promotions qui s'en viennent. C'est vraiment important de nous suivre là-dessus. Concours pour gagner notre loge VIP à l'Autodrome Granby le 25 août au Empire Super Sprint. Des concours avec le circuit Icar pour la course NASCAR Pinty's, c'est à ne pas manquer ça non plus. Donc, le 2 mai, premier épisode de la série The Banking en ligne. Donc, mise en ligne du premier épisode le 2 mai. C'est un spectacle bilingue. Une série bilingue, donc autant version anglaise que version française. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, oh, inquiétez-vous pas, on est avec vous. And if you're hearing me and being like, what the hell is he saying? We're starting a new web-based TV series called The Banking. It's going to be on May 2nd, first online episode. It's a bilingual show, so you'll be able to see everything. The show's going to be making coverage of NASCAR and oval racing in general in Canada. That includes the NASCAR Pinty series and some other local events, such as a partnership that we have with Autodrome Granby for dirt racing. We'll be having a contest to win a VIP suite on August 25th for the Empire Super Sprints. That's going to be something you don't want to miss. And we'll also be going around the Quebec-based events on the Pinty series. But one thing that's very good, and we're starting on May 21st, is the first race of the season of the NASCAR Pinty series. And that's our exception for the year. We were supposed to make only the Quebec-based races. So we were supposed to make Grand Prix Trois-Rivières, ICAR, Saint-Eustache, and Autodrome Chaudière. But we opted to go one extra, and we'll be there on May 21st at Canadian Tire Motorsports Park for the first race of the season in the NASCAR Pinty's. Donc, pour ceux en français, on a fait une exception à notre règle. On était supposé faire la couverture des quatre courses au Québec pour la NASCAR Pinty's, c'est-à-dire Autodrome Chaudière, Icar, Grand Prix Trois-Rivières et Saint-Eustache. On a rajouté à ça le 21 mai, on s'en va au Canadian Tire Motorsports Park, première course de la saison du NASCAR Pinty's. Ça va nous faire plaisir de faire la couverture de ça. Faire partie du contenu de nos épisodes, donc ça ne pas manquer. Vraiment une belle expérience qui s'en vient pour nous. Parlant d'expérience, il nous reste un petit 1 minute et demie en pratique. Donc, par expérience, on va aller s'assurer que tout est en ordre pour la qualif. C'est-à-dire qu'on met le ruban ou le tape au bout sur la grille à l'avant. Le bout de jouer. OK. J'ai manqué à éternuer. Ah ben, what about the sneeze there? OK. Est-ce que je change d'autre chose? J'ai le temps. I have time here. I'll test it out just to make sure everything is up to my liking.
pas exactement le tour que je voulais, mais j'ai vraiment manqué. Vraiment pas été assez agressif dans le 1-2. Donc, on va espérer faire mieux dans la qualif. Ouais. Ben, moi, je décollais le stream, fait que ça t'a aidé. M'excuserai pour le il se prend trop au sérieux, mais je suis quand même me concentrer. Mine de rien, on a 12 courses de fête dans la saison, puis on est rendu à la deuxième ronde des séries éliminatoires, donc ça serait le fun que je me fasse pas d'erreur idiote. Ça, c'en était une. J'entrais trop fort dans la 1, donc je vais recommencer. Je vais juste me donner une idée. Là. Ouais, je suis rentré trop haut. Ok. Bon, c'est pas excellent, mais on va vivre avec. 20.033. J'avais fait des 19.9 en pratique, mais c'est pas mauvais. J'aurais pu faire un mieux. Je pense que c'est le premier secteur qui m'a vraiment fait plus mal. Je suis vraiment rentré trop haut dans le 1-2, mais j'étais conservateur. J'ai pas voulu l'agresser trop. C'est encore quelques pilotes à passer en qualif. On devrait partir dans le top 5, ce qui est une bonne chose. Je vais être plus confiant de partir en avant dans ce genre de petite course-là. La short track, quand on est pris dans le trafic, c'est là que ça devient pas mal difficile. On va être conservateur sur le tape. On va partir ça à 54. Qui est à le monter tranquillement au fil de la course. Donc. Ah, on a eu que 5 minutes de calais. Ouais, Martin, il y a que 5 minutes de calif. Ouais, c'est correct. Je viens de te dire, pas de façon à ça. Donc, on y est. 13e course de la saison de la série. Alex Labbé, Season of Champions. En direct sur Twitch, mesdames et messieurs. On est sur le point de commencer la course. Donc, encore une fois, c'est la fin de la qualif. C'est une minute encore avant la fin des hostilités. De cette façon, on se permet tout de même une troisième place, ce qui semble être une troisième place au niveau de la grille de départ. Encore une fois, il reste quelques pilotes qui n'ont pas posté de temps. On va être patient là-dessus. Et comme je vous mentionne, j'ai pas mal l'impression qu'on va être bon pour décoller dans le coin du top 5. Ça va être très intéressant d'être patient au début, pour pousser, puis vraiment de laisser la voiture nous communiquer ses besoins. Je pense que c'est vraiment ça qui est bien important quand on commence une course. De ne pas être trop agressif puis de laisser la voiture nous dire qu'est-ce qui se passe.
Yes, gang, bon course. Guys, good. Have a good race. Prendre un petit instant, justement. Vous vous rappelez qu'il reste trois courses dans la saison, donc celle-là, Michigan et Homestead. Juste vous remercier toute la gang pour votre présence. C'est bien apprécié. Sans vous, ça ne serait pas la même ligue. So, guys, just a friendly reminder, we've got three races left in the season. This one, Michigan and Homestead. And just a warm thank you for all of you guys to being here. It wouldn't be the same league without all of you, so we're all grateful of your presence. All right. Deux tours de chauffe. On part derrière le 32 de Monsieur Alex, all by myself, Labbé. On a à l'extérieur de la première ligne, Monsieur 93 de Patrick Mercier. Deux chasers devant nous. À côté de nous, on a le 6 de Manix Richer, qui est un chaser, qui n'a pas passé à la ronde des 8. Donc, une autre voiture qui va être performante ce soir derrière nous. Un autre chaser, le 82 de Callum McNichol, qui part en 6e. Claude Ferland dans le 43 part 8e. Daniel Demers dans le 16 part 7e. Donc, encore une fois, des chasers. Monsieur Kevin Hash part un petit peu plus loin dans le field, en 9e place. Et ce sera tout pour nos chasers. Monsieur John Schweikart, qui est absent ce soir, qui est en vacances à Orlando, en Floride. So, guys, as I was mentioning, we have number 32 of Alex, all by myself, Labbé, starting on pole. Next, I'm the 93 of Patrick Mercier. I'm going to just name the chasers here, myself in third place. Got someone who was in the chase earlier, the 6 of Manix Richer. We didn't classify for the ascending 8 round. Starting behind us, we've got the 82 of Callum McNichol, the 43 of Claude Ferland, the 16 of Daniel Demers, and the 03 of Kevin Hash is going to be further back in the field. As the number one of John Schweikart is missing this race as he's on vacation in Orlando, Florida. So, guys, starting on green. Let's take our time. 200 tours, les gars. On n'est pas pressé. On prend notre temps. Et bonne course, tout le monde. Donc, vraiment, la patience au début. On n'a pas d'urgence à essayer de se batailler avec les gars devant. Je vais être très humble et vous avouer que j'étais pas supposé partir en première vitesse. J'ai trop parlé, je me suis pas rendu compte que je l'avais pas mis en deuxième. Donc, petit départ un petit peu botché, mais tout de même, ça a bien passé. Donc, on est patient, on prend notre temps. Je vais être très satisfait avec un top 5 ce soir. I'll be very satisfied with top 5 tonight. Not having monstrous expectation. It's not one of my favorite tracks. C'est pas une de mes pistes préférées, donc pas des trop grosses attentes pour ce soir. On va être patient. On va ramener la voiture dans le même état qu'on l'a sorti du trailer. Les gars devant démontrent déjà qu'ils ont des voitures assez performantes. On est capable de les suivre, ce qui est bon signe. Frousse ici à sortie de la 2. Donc, incident derrière, premier drapeau jaune de la soirée. On avait une très belle course, si je me souviens bien, que c'était à... Je sais que Loudon, on a fait quand même une bonne run sur le vert, mais on a eu beaucoup de jaune. Texas, qu'on a eu une très belle course. Check-up dans deux. Check-up hard in turn two. Pace cars on the back. There's a love tap.
voiture qui se mérite le passage. Passage gratuit qu'on appelle le Lucky Dog à tous les drapeaux jaunes. On a une voiture qui va bénéficier d'un passage gratuit, c'est-à-dire quelqu'un qui est à un tour de retard ou plus, qui est la première voiture à un tour de retard qui va se mériter de retrouver le tour des meneurs. On appelle ça le Lucky Dog dans le jargon du NASCAR. Moi, je me vanterai pas trop, là, mais si vous retournez voir mon stream tout à l'heure, vous allez voir que je suis parti en première. J'ai eu bien du fun. Les chars-là sont pas faits partir en 1, je pense. Ben, je suis décollé en 1 tout à l'heure, puis je t'ai pas manqué tant que ça, là. J'étais pas 20 km en arrière. J'étais pas si pire, mais mettons que c'était pas le start que je voulais. On a quand même un top 6 de Chase en ce moment. C'est beau à voir. Ouais. Il manque juste Kevin puis John. John n'est pas là en soi, puis Kevin il est dans le fin fond du tas comme d'habitude. Donc, il est du genre à partir prudent puis à remonter tranquillement. Ben, je sais que Callum est un bon. Là. Il était. Le jeudi, il y a une couple de semaines, il était fort. Callum's got a good set. Donc, quand je vous parlais de Richmond, c'est ça que ça va donner. Ça va être side by side comme ça assez longtemps. Donc, encore une fois, je le mentionne, on est patient. Une belle petite bataille, mais ça, comme vous pouvez voir, une petite fois si je voulais pas y rentrer dedans, comme vous pouvez voir, je vais pas étirer la chose plus longtemps qu'il fallait. Vraiment prendre mon temps. Je suis bien heureux de pacer avec le 93 puis de faire des tours. J'ai aucune urgence à essayer de me battre avec. Souvent, j'essaie de prendre des notes mentales sur le comportement de la voiture. Savoir qu'est-ce que je vais devoir ajuster plus tard.
Mais ça, c'est vraiment un petit combat de positionnement. Ça glisse. J'aime pas ça que ça glisse en entrée, par exemple. Je vais vous avouer que je n'ai pas apprécié cette petite glissade en entrée. D'ailleurs, je n'ai fait une en qualif aussi, donc ça va être d'être bien prudent à l'entrée des virages de pas le overcook, comme on dit dans le jargon. De pas trop le cuire. Ça se traduit mal cette expression-là, mais c'est pas grave. On a un petit gap sur la quatrième derrière, donc on peut se permettre de regarder devant. Alex Labbé dans le 32 est vraiment en forme. Donc bonne voiture pour lui encore ce soir. Je sais pas s'il a manqué sa qualif ou il l'a juste pas faite, là, mais parti en dernier. Donc ça, c'en est un à surveiller, le 51, Fred Moreau, qui est un excellent pilote, qui est pas dans le chase, mais qui va venir brasser les cartes en avant, ça c'est sûr et certain. Donc pour nous, dans le chase, c'est bien important de pas trop se déconcentrer sur son agressivité, puis de se garder en piste, dans le sens que si on le voit arriver, moi comme je vous le dis, si je le vois arriver, je me battrai pas longtemps avec, je vais le laisser aller. Puis lui, il fait pas une différence dans mon classement au final. Bon, en théorie, oui, il va m'enlever des points au classement, mais s'il va gagner la course, c'est majeur parce qu'il y a un pilote automatiquement qui ne sera pas classé. Si vous gagnez, pour ceux qui connaissent pas le format de Chase, on a deux courses, c'est les quatre meilleurs qui passent, mais si vous remportez une des deux épreuves, vous êtes automatiquement classé pour le Final Four. Donc la victoire qui est bien importante ce soir. C'est pour ça que je dis que si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le chase qui va la remporter, c'est un gros facteur. Il peut avoir une grosse Je lève le pied ici, j'avais vraiment le mur. J'avais vraiment une grosse cible rouge sur le mur si je levais pas le pied ici. Voiture qui pointait par là, pas mal là. Surtout qu'on est de bonne on est de bonne heure dans la course aussi. Hein. Ok, il reste 10 tours, je dis pas là, mais ok, il en reste 150, c'est une autre histoire. Donc déjà 25 tours de fait, on va surveiller. On a encore indiqué une quarantaine de tours au galon. Je m'attendrais à ce qu'on fasse environ une cinquante, soixantaine de tours sur un. On a un des demi-pleins, donc on a maximum 50% d'essence dans les réservoirs dans notre ligue pour générer plus d'arrêts au puits. Donc on va se surveiller là-dessus. Oh, drapeau jaune. On va mettre de côté la stratégie d'arrêt au puits. Check-up sur le backstretch. On n'a pas le pace car encore, par exemple. Don't have the pace car yet. Pace car dans deux. Ok, réfléchissons, est-ce que j'avais quelque chose? On a le troisième box au bout, donc ça va être à retenir.
Ben oui, le point bonus, c'est bien important. Dix degrés de différence entre le devant et le derrière. Les côtés droits, c'est beaucoup. Il va falloir voir à ça dans les prochains. Yes! Ah, je pars en haut. Mais... Et le Spinner Simulation Pit Crew qui fait son travail. Remerciement particulier à Spinner Simulation pour ce magnifique arrêt au puits, mesdames et messieurs. À 7, on repart deuxième. Donc, course est jeune encore, on a seulement 32 tours de fait sur 200. Donc, encore une fois, on va prendre notre temps. Petite soirée qui est encore longue dans les circonstances. Donc, vraiment être patient. On va avoir le 51 de Fred Moreau en arrière de nous. Donc, il va falloir être prudent là-dessus. Je sais que Patrick, je ne sais pas s'il va avoir une run à l'entrée de la 1, mais il va sûrement essayer d'aller chercher l'intérieur là-dessus. Donc, il va falloir être prudent. Laisse ça aller. Il me fait sa peur. Eh merde.
Les têtes en général. Malheureusement, je risque de perdre la place ici. Je panique ici, je vais pas aimer ça. On est devenu un petit peu trop agressif, va falloir se calmer un petit peu. Pas de chance à la front, faut pas te l'échapper. Le jaune est tombé, puis il a chopé de ça. Check-up dans deux. Ouais, c'est parce que c'est bizarre que le jaune était tombé, puis carrément spiné. Donc, analysons ça. Vraiment trop chaud en avant droite. Right rear était moins chaud un petit peu.
En bon québécois, il était mieux qu'en. Ah non, ça y tente. J'ai le droit. J'ai le droit! Ben oui, ben oui. T'as qu'en avant, ça le fun en maudit. Ah, mais moi je patte, c'est neck and neck en tabarouette. Il en gagne un petit peu, j'en gagne un petit peu, c'est. Et mieux d'approche. Encore une fois, on est patient. Déjà bientôt le quart de la course de fait. Déjà le que dis-je? J'ai pu se dire qu'on va avoir le tiers de la course de fait. Aussitôt qu'on va. Point 66 tours. Excusez-moi, j'ai eu peur. La beauté de ce jeu-là, c'est que tu manques de concentration pendant une demi-seconde, puis faut que tu changes de bobette. Vraiment que tu sois alerte à tout moment.
Il avait mis une roue sous l'aperon. Ouf! Je me suis fait peur. Beau spectacle devant nous, une belle bagarre pour la tête. Ouais, ça, on se distance à 5e place, donc encore une fois, je reste dans mon objectif, un top 5. Si on est capable de finir dans les 3 ou 4 premiers relatifs au Chase, on va être en bonne position pour Michigan. Donc je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Faut juste être prudent. Conserver notre équipement. Puis se concentrer. On y va tour par tour, virage par virage. Déjà le tiers de la course de complété, donc on va se tenir aux aguets. Fallait que je réajuste ma ligne, je coupais trop bas. Sinon, je touchais à la ligne jaune. Donc, on est patient. Encore une fois, une quarantaine de tours indiqués restant au réservoir d'essence. Donc on va tenir un œil là-dessus. On a vu le 93 tantôt, direct en sortant. Direct quand le jaune a sorti, avoir des difficultés. Donc, on va se garder alerte. C'est top ici, commence à fall off de mon côté. Je perds vraiment de la vitesse. Heureusement, c'est vers les gars en avant, parce que les gars derrière, je les maintiens quand même au même à la même distance, mais les gars derrière me donnent. Les gars devant, je les perds carrément à un rythme assez peu assez mauvais. Il va falloir vraiment que j'ajuste un petit peu la voiture. Puis je sais pas trop comment l'ajuster parce qu'elle se conduit relativement bien. Elle est sous-vireuse en milieu de virage, ça c'est vraiment ce que je remarque. Je suis sûrement enlevé des pressions du côté gauche pour aider le milieu. Pour l'instant, l'objectif reste encore très réaliste. Le top 5 est respecté pour le moment. Encore une fois, encore beaucoup de chemin à faire.
tenter de pas trop s'emballer là-dessus. Donc, vous m'excuserez si je suis pas très jaseux, mais concentré ici, j'essaie de garder un bon rythme. C'est. Donc, drapeau jaune ici. On peut aller faire des ajustements au puits, c'est bon pour nous. En effet, on était chanceux là-dessus de. On regardait un petit peu devant parce que fouf! Ça aurait pu faire mal. Donc on ajuste ça, on ajuste ça, on ajuste ça. OK! Je suis content avec ça. Face card dans le back. Face card dans le back. Monsieur Spenard, oui. On fait attention à la machine certainement, puis on vous remercie pour le magnifique pick crew. Toujours excellent. Shit happens. Excuse-moi, le coup de break, Dan, j'étais tellement rendu loin dans le char à Alex que je te supporte de fesser dans son steering. Pour moi, Pat, il a ajouté une coupe de cossin sur son char parce que je le suivais à 20 à l'heure, là. Ouf! Ce run-là, je l'ai pas suivi pendant tout. Là, vous autres, vous êtes chamoyé un petit bout, tandis que lui, il vous a suivi bien ben relax en ordi. Hein. Console-toi, on fera pas conno demain.
On fait Michigan la semaine prochaine, puis le Charlotte, je pense, en West. Ce serait quand même dose. Essayer de te laisser la ligne là, Alex. Thank you. 16 on checking. Ah, j'étais ça à toi. Ah, pardon, mec. Excuse-moi, Claude. Deux erreurs de débutants sur une série start, c'est vraiment pas con, je suis vraiment pas content. Littéralement deux erreurs de débutants. Partir en première et en troisième sur deux restarts différents. C'est pas fameux. Pas très content de ça, moi, vous avouer. Hein. On a repris lorsqu'on a laissé. J'ai corrigé mon erreur du dernier restart. Donc, on est reparti au niveau du pace. On prend notre temps. On approche de la mi-course ici. Encore une fois, on maintient. C'est ça qui était l'objectif de la soirée, maintenir un top 5. Donc, pour l'instant, l'objectif est bien accompli. Encore une fois, mi-course, ça veut dire qu'on a encore la moitié du chemin à faire. Donc, soyons patients. Les gars vont commencer à être un peu plus agressifs dans les 100 derniers tours qu'ils l'ont été dans les 100 premiers. C'est tout à fait normal. Donc, soyons aux aguets.
Watch out, y'a un gars en bas dans un. On est à la mi-course. Vraiment de la misère à savoir qu'est-ce qui me manque. La voiture se comporte bien. J'ai vraiment pas de la difficulté à la conduire, mais je suis pas capable de suivre les gars en avant autant que j'essaye, mais j'ai pas le pace. Encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, on est dans un objectif de finir top 5, donc soyons patients, soyons conservateurs. On va pas s'exciter ou se taper sur les doigts parce qu'on suit pas les leaders. C'est pas notre objectif d'aller gagner ce soir. Ça sera le fun, mais on va pas y aller le tout pour le tout, juste pour la victoire. On va réserver le bon résultat. Je pense qu'un top 5, on va être bien heureux avec ça quand on va rentrer à Michigan la semaine prochaine. Fait que faut être patient là-dessus. On a une très belle course à date. On a fait très peu d'erreurs, vraiment des petites erreurs mineures. Manque en faire une là, mais. Note to self. Don't jinx. Ce serait le fun que je me jinx pas. Une fois, je réitère, j'aime vraiment comment la voiture se comporte. Malheureusement, on n'a pas le pace pour suivre les meneurs, mais vraiment une voiture qui se comporte très bien. Je vous dis, c'est pas parce que j'essaie pas, hein. J'ai vraiment un très bon rythme, mais je pense vraiment que je pilote la voiture pas mal à sa limite, là, mais le gars en avant gagne pas mal sur moi. Je me souviens bien que le jaune, on l'a eu dans le coin du 80e tour. On va surveiller pour la consommation d'essence si on va avoir assez de gaz pour finir. J'en doute, mais. On m'a trop mis de pression sur la pédale à la fin ici, je manquais de l'échapper. Mais tout le temps des petites paniques comme ça que je suis content que je suis assez concentré pour être capable de contrôler ce genre de petite situation-là. C'est vraiment banal, mais si j'étais pas alerte, je l'échappais carrément tout seul.
Ça a vraiment été une erreur de... d'inattention que je veux pas faire. Vous faites beaucoup d'erreurs, outre les deux relances, ça je peux m'en vouloir, mais on a été capable de corriger ces erreurs-là assez, assez bien. Ça c'est large. On va avoir une belle sortie, heureusement, là, mais c'était très large. Encore une fois, je m'excuserai un petit peu pour le petit silence, là, vraiment. Je reste concentré. J'ai de la pression qui arrive de derrière, donc ça va garder un excellent rythme. C'est très compétitif. Demain, on achève la run de pneus ici. On arrive sur un arrêt au puits sur le vert. Dans 20 tours environ. On va commencer à ajuster les différents paramètres qu'on veut changer sur la voiture pendant cet arrêt au puits. Sur un short track comme ça, excusez-moi. Ça sera pas très facile. On n'a pas beaucoup de temps libre entre les virages. Ok. Une fête. Deux de fait. Manquer de l'échapper, mais. Chaud! Fait chaud ici!
sais pas qu'est-ce qu'il faut que je change là, mais. Surveillez aussi qu'on a arrêté au 80e tour, donc j'essaie de voir combien on va avoir dans la dans le réservoir d'essence. Une dizaine de tours. Environ 60 tours d'essence dans le réservoir, donc on devrait être correct, mais encore là. Je concède. J'ai vu le mur de proche. On va essayer de tenir la tank à essence au maximum. On va en avoir besoin si on veut se rendre au fil d'arrivée avec la quantité d'essence qu'on va mettre dans le réservoir. Calice. J'ai plus de tailleur. Donc, j'ai plus chaud, faut que je rentre ce tour-ci. 97, je rentre au pit. 97 pitting. Le 27 sort du pit, 97 pitting out.
Ouais, parce qu'il vient de sortir. Je suis sorti en arrière dedans, puis il est dans la même mouille. Il faut qu'il y ait plus que son pit parce que je me bats avec en ce moment. Ah ben il a perdu du pace quelque chose, je sais pas. Il a viré l'eau, il vient juste de virer l'eau quasiment devant de moi là. Ok, j'arrête de parler là, mais. Non, belle course à soi.
Bon, je jure une chose, je broyerai pas pour un jaune. Et calif, ça fasse bien. Yes! Oh, on avait besoin de ce jaune-là, moi. Je pense que oui. Et en tout cas, il était crush sur la back. So close. Ah, je veux dire que 16 puis moi à la date, on a du fun. Non? Ça a été. C'est chaud. Manquer Batfred d'un pit, par exemple, qui est ici, ça aurait été le fun. Il était mardeux, sur le pit, sur le vent, tout à l'heure, j'ai réussi à lead d'un lap. Fait que... Non, j'ai vidé la tank, j'avais compté qu'on faisait 60 tours, qu'on était aux 141, j'étais comme... Oh, puis j'aurais voulu rentrer le tour avant, mais Richard en dedans de moi. Il n'a pas fait exprès, là, on s'est juste remonté de même, là, mais... Je me souviens plus qui avait rentré. Je pense que c'est Pat qui avait rentré. Non, pas Pat. Tan qui avait rentré en avant de moi. Donc, Claude, rappelle-moi de ne pas partir sur la 3 encore, s'il te plaît. Ah, je suis au milieu de la 1 quand je t'ai vu monter. J'ai fait shit. Maudit belle course ce soir, par exemple. On va dire une affaire. Passe plein, fond en maudit. T'es pas combien, Alex? Ok, je l'ai starté à 54. J'ai pas touché non plus, mais je l'ai starté plus haut que vous autres. Non, 2,80 sur l'huile, mais ça n'a jamais blinké. Pour ça, je trouvais que j'avais du gain sur la short run avec Fred. Je me demandais si c'était le T. On va jouer l'inside, ils vont score le start en estime.
J'ai tomate mort 2. J'ai divé à 1 comme un fou en haut, puis on est sorti. Ça m'a mis en avant de 16. Bah, moi, je rentre, c'est sûr. Mais pas de gaz, là, mais je rentre, c'est sûr. Check up dans deux, hard, hard. Pescar, ça a back. Cat, c'est quoi ça, cat? Je connais pas ça, cat. Les gauches, t'es à 100%. Non, c'est parce que j'ai vu qu'un. Oh fuck, j'ai vu qu'un homme était out. Shit. Ok, c'est pas grave. Ça va être la fan. C'est quand? C'est à quel point? Alex, c'est à quel point que tu vires là? C'est quand tu touches au gaz ou quand, juste quand tu arrives sur le bord du mur? Ok. C'est la transition du banking quand j'arrive proche du mur. Le char, il veut m'arracher dans les mains. Là. Ok. Parce que c'est au début de la run, on dirait que je cause plus dans le milieu que les deux autres. Les trois autres, excuse. Moi, t'as collé ça, moi, Alex. Je te le dis tout de suite. Attends pas longtemps après que le pescar rentre. Ça va partir vite. Ça sera pas un 3-2-1, ça va être un 3-2-1. C'est même ça prend ça. Trois, deux, un. Vas-y, rentre, rentre.
Manqué de mourir là, c'est-tu. Là, moi, t'avoue que moi non plus, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai manqué de mourir sans front. Pat, t'as manqué de me remonter aussi. Deux tailleurs, c'est pas fameux. J'avais pas de rotation dans le centre, ça avait aucun sens. On bouge jamais 4 là. Deux, j'ai compris que c'est pas la façon de faire, Nastien. Le 3 c'était out. À moins qu'il pète là, mais. Ah, mais tu vas partir à 3 pareil, je pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça mon erreur. J'aurais dû prendre 4 tout à l'heure et prendre 2 ce coup-là. Je sais pas. Okay, mine de rien, on est encore 6 sur 7 en avant dans le chase. Sachant qu'il y a une caverne qui est pas dans la game. Ah, il est dit, hein. Ce qui va nous tuer, c'est que les trois, mon homme, ils vont décoller comme des fusées. Hein. Ouais, c'est vrai, il était 1, 3, 5 tout à l'heure avec moi, toi et Claude en haut. Puis... tout cas, si je suis capable de te laisser de la place dans un, moi, essayez, là, mais je te garantis bien. Tantôt, je savais que si je te laissais aller, j'avais peut-être une chance d'éclairer Fred, mais après ta longue, me donner du bumper un peu. Ah, il a mis le quarter en arrière, j'ai fait bon, je ne niaiserai pas. Yep, on a besoin.
Ça va repartir, on n'est pas fini. Check up 2. Il y a 4, on a pris 4, n'est-ce pas? Shit. La dernière game, c'est encore drôle. Sortir de la 1 en haut, des fois, t'as une run, là. Ouais. Pat, si j'ai coupé le nom, n'est-ce tout à l'heure? Ah, je t'ai vu aller, j'ai fait Asti, ça va pas avoir passé un peu sans Asti. Ah, tu sais, il y avait pas de pace pantalon sur ce coup-là. Là. Comme on m'a dit une affaire, il n'y a rien de fait en maudit la semaine prochaine. Et Chris, non. On est 5 de fil dans le chase en ce moment. Toi, Pat, moi, Callum, Claude, puis même en arrière de Claude, c'est Kevin. M'en manque un, c'est-tu? Ah, 16, ben oui. Ah, il y a plus de pace, là. Félicitations, Pat, t'es dans le Final Four. T'es sérieux? Est-ce que t'es mardeau? Ah, si t'es mardeux, Alex.
Non, mais je veux dire, t'es mardeux de retrouver ton spot. Allez, réessaye de faire à maçon, moi. Ah, moi, j'avais un filet en bas, j'avais trouvé le trou. Quand j'ai vu Pat en avant de moi, j'ai fait shit. Ah non, c'était la traite, là. Chante belle course, les gars. Really nice race, guys. Belle run, Pat, 16 et Fred, c'était crissement le fun. Good thing I didn't need a backpack for that. Bon, messieurs, on est de retour. Excusez-moi, j'ai perdu la communication avec le stream pendant un bon petit bout, mais c'est une course, très spectaculaire. On s'en sort avec une troisième place, avec tout un accident à la fin, mais waouh, on a eu chaud. Donc les résultats, monsieur Alex Labbé qui se mérite son billet pour le Final Four. In extremis, on va le dire. Je pensais que c'était Pat Mercier qui l'avait à la fin avec le jaune, mais Labbé qui a réussi à retrouver sa place. Commissaire de course qui a redonné sa position. Pat Mercier deuxième, moi troisième. Callum McNichol quatrième. Claude Ferland 5. Monsieur Kevin Hash en sixième. Au niveau des Chasers, ce 16 va finir neuvième. Donc, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Monsieur Schweikart qui est absent pour la soirée. Donc, ça va être très chaud au Michigan la semaine prochaine. On va dire une affaire, ça va être chaud au Michigan ce prochain anti-péché. Sacrément. C'est pas que toute la gang, on a fini en dedans de 6 points l'un de l'autre, là, mais ça ressemble à ça. Alright, guys, pour le stream, on va faire les points. Ça sera pas très très long. Je vais faire les points, la grille. Pour le championnat, puis je vous reviens dans quelques instants. Donc, super de belles courses. Et chaud, et très chaud. Il va l'être pour tout le monde, on va dire. Il en reste rien que deux, boys. Il en reste rien que deux. Dans les trois en avant, on lead un lap, 16 de lead un lap. Donc, moi, Labbé, puis Pat, on a un point. 16 a un point. C'est Fred qui en a le plus. Vas-tu vous dire qu'il n'y a rien de fait, les gars? Les points sur TeamSpeak. Donc, pour le stream, Alex Labbé à 3047 points. Donc, évidemment, avec la victoire, il se mérite son billet pour le Chase. Donc, 4 points derrière, 3043. À plus 3 sur la bulle, Patrick Mercier. Moi, j'étais à plus 2 sur la bulle, à 3042.
Callum McNichol, la bulle à 3040. Claude Ferland à 3039, donc moins 1 sur la bulle. Kevin Hash à 3038 à moins 2 sur la bulle. Daniel Demers à 3036 à moins 4 sur la bulle. Et John Schweikert, lui, est à moins 40, vu son absence. Mais ça va être très intéressant au Michigan la semaine prochaine. That's rude, Kevin. That's really rude. Didn't I post a video of who was in the top 8 before this race? No, I did. Top 8. No, I just did. Check on Facebook. Alright guys, donnez-moi quelques petites minutes. Fait qu'Alex, tu veux-tu que je te classe pareil? Comment tu veux qu'on fasse ça? Tu veux-tu laisser la place aux autres? Ben, c'est parce que si là t'as gagné, fait que je te classe dans le top 4, mais si t'es pour pas être là, je vais forfait puis je vais classer quelqu'un d'autre à la place. Ouais. Ben, c'est un peu comme qu'on avait fait l'an passé avec le Chase. Là. J'avais mis Carlom à ta place parce que tu vas pas être là pendant le Chase. So guys, I just, for English-speaking people, Alex Labbé just forfeited his spot on the sur TeamSpeak. La grille, elle s'en vient sur Facebook. Ouais, c'est chaud. C'est très chaud. Oui, monsieur. Quand je te dis que c'est chaud, là, c'est chaud. Pour ça, moi, quand... Yeah! Yeah! May I remind you that I was running second at Martinsville and I wrecked, and I was running fifth at Loudon and I wrecked. That would have made me up to 11, so shut the fuck up. Well, you just said it. Yeah, Pocono difference between a good and a bad set of Pocono is freaking 2 seconds a lap. It's insane. Indy is the same thing. Yeah, Indy is the same freaking thing. Say again? Yes, I did. We're still live, by the way. Yep, I'm just finishing up the points grid here.
so I can show it on stream. And I'll probably, I don't know if I'm going to close it up after or play some games. I haven't figured out yet. I'm kind of banking that I might play later, like in half an hour, because I kind of need to cool off a little bit. that race was something else, like, I'll tell you what. I mean, I messed up because the first caution with like 30 or 20 to go, I took two. I should have just totally took four. I should have totally took four and then take two the other one. But let me just tell you, taking two tires was the worst thing ever because I had no center at all. My lefts were not up to speed at all, so I was just plowing the center and I was like seeing Fred and Pat go by. I'm like, well. That wasn't a good idea. I mean, the whole race in front was like Alex for the lead, then Fred or Pat would catch up, and then these three would tangle. I'd be watching it from a second or 2 seconds back, and then Dan would catch me, and then we'd recycle that every pit stop. That was something else. Oh, it sure was. So. Well, the thing I'm noticing is someone's minus 40 again, because they didn't show up because vacations. So someone's got to do or die again next week. We all know who that someone is. Well, he's been doing it every time he comes by. He's been spinning out half the time he tries it. That's mean. Oh yeah, who won the 2-miler again this year? Like the other 2-miler, which one's it? Oh, Auto Club. Who won that track? Motherfucker. Yeah, alright, I'll just show the points on stream right of now. There we go. So Alex Labbé. Oh yeah. So Alex Labbé moves through to the final four, but will forfeit his spot to the following four drivers. So Patrick Mercier is 3 points ahead. Actually. Hang on, il est en vacances, il est la même chose que la semaine passée, il est à Orlando. Yep, parce que la semaine prochaine, il est do or die pour la chase. Il a même affaire qu'à Loudon. Hello.
Alright, give me a minute, guys. I'm just fixing this to represent what was the real grid, actually. Gotta make it official here. Ah! I didn't mean to do that. Okay, got it. Got it fixed. Wait, that's right. Sorry about that. Donc, désolé pour les petites interruptions, messieurs. Je vais juste terminer la grille des points comme mentionné. Petit ajustement à faire. Vu le forfait d'Alex Labbé au niveau du Final Four, il ne pourra pas être présent à la course. Donc, a humblement accepté de déclarer forfait pour sa position au niveau du Chase. Ça va apparaître à l'écran à l'instant. Voici donc Alex Labbé qui déclare forfait pour son spot dans le Final Four malgré sa victoire. So Alex Labbé forfeit his spot in the Final Four even after his win since he won't be able to attend the race at home to Miami Speedway. So Patrick Mercier ends up plus 4 on the bubble. Myself at 3. Plus 1 for Callum McNichol. The bubble is held by Claude Ferland. Kevin Hash is minus 1, minus 3 for Daniel 16 de Mers and John Schweikart due to his missing of the La Barbière 200 is down 39 points. He will have to go for broke next week at Michigan. And I'm just noticing one little detail that I forget as well, which I won't pursue on stream. Unfortunately, I'll fix it outside of it. So guys, that was it for tonight. Merci d'être présent. Thank you for being here. It's been an amazing race here tonight. Ça a été une très belle course ce soir. Donc on se reprend mercredi prochain. We'll be back next Wednesday for round 15 of the Alex Labbé Season of Champions. Donc la 14e ronde de la série Alex Labbé qui va se dérouler au Michigan. La 15e ronde, round 15. Sorry about that. We just did round 14. Okay. So, last round of the ascending it. And we'll determine who is our final four for the season. Donc, je vous remercie d'avoir été là, mais... C'est très possible que je reparte le stream un peu plus tard pour du gaming, tard en soirée, donc à plus tard. See you later, guys.